On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un vinyle que j'ai commandé il y a déjà pas mal de mois, qui était sur mon étagère. Et je tenais aujourd'hui vraiment à vous le montrer, parce que le temps passe. Et donc, je vais vous faire découvrir le double vinyle de The Last of Us. Années, ils avaient déjà fait un pressage lorsque le jeu est sorti. Je me souviens que le coffret était super beau, avec des superbes hard prints, mais il a été très vite vendu, et puis les prix se sont affolés sur eBay. Et là, ils ont fait une réédition, mais qui est sensiblement avec donc les coordonnées du site Sticker Artwork by Johnny Simpson. Et ensuite cette espèce de petite carte postale. C'est cool.
la jaquette qui est quand même super jolie, moi j'adore. Volume 1. Side A, B, C et D. Bien sûr. Un petit peu de pub. Death Stranding and God of War. Death Stranding, vous avez seulement le single. Je crois que je l'ai acheté en... Je l'avais précommandé en septembre l'année dernière. Pour une livraison... Oh, je sais même plus. Je l'ai précommandé même avant. Je m'en souviens plus. C'est donc la face avant la jaquette et la face arrière de la jaquette avec ces fameux champignons cordyceps. On sait pas trop dans quel sens d'ailleurs le dessin doit être. Satiné, j'adore. Là, vous avez le vinyle numéro 2. C'est soigné. Et donc le fameux vinyle. Un super beau vert. Très très joli. J'adore. Je te disais en préambule, le premier pressage, tout était différent, la couleur était différente. Et bien sûr, le coffret aussi était différent. Et il me semblait même qu'il y avait plus de vinyle, plus que deux. Mais je veux pas trop m'avancer parce que ça fait longtemps.
pièce de collection. Merci encore.